Un art est une science qui, comme ça, consiste à embellir, à apporter de l'attraction dans tous les domaines que vous exercez au quotidien. Bonjour, chers téléspectateurs, chers regardants d'Esthetica. Bien, il est déjà 8h30 et c'est parti pour 45 minutes de dégustation esthétique. Ce matin, contrairement aux autres jours, nous allons faire de l'esthétique, mais cette fois-ci dans un autre domaine que je vous amène à découvrir. Ceci va se faire avec un jeune Camerounais très talentueux, éloquent dans son style de s'exprimer. Lui, c'est M. Dieudonné Tata. C'est un producteur. Il nous vient des établissements M10. Voilà. Il aura quelques minutes avec nous sur ce plateau. Il va nous entretenir sur ce que c'est que le 7e art. Voilà. Bien avant de le recevoir, regardons-nous comme ça ce matin une belle galette musicale que je commande depuis la régie pour vous. Regardons. Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays, quelle que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière luit. Car les ténèbres ne régneront pas toujours le jour. Brille. Lève-toi, Cameroun. Rayonne de tous tes feux. Envole-toi, Cameroun. Vole, divin potier mou. Nous sommes malades de tant de maux. Contre l'ennemi garde. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve-nous, Seigneur, pour l'amour de notre chère patrie. Pour l'amour et pour la patrie. Le travail et la paix aussi. Le travail et la paix aussi. Deviennent en nous esprit et vie. Deviennent en nous esprit et vie. Oh, pour qu'avance notre pays. Pour qu'avance notre pays. Que le peuple et ses dirigeants. Que le peuple et ses dirigeants. Aient de nouveaux cœurs repentants. Qu'il soit responsable et conscient. Pour un renouveau. Pour le pays gagnant. Prie. Réponds à ta destinée. Brille de toute ta splendeur. Envole-toi vers les hauteurs. Oh, Seigneur, change le Cameroun. Oh, nous sommes malades de tant de maux. Garde-nous de nos ennemis. Éternel Dieu, sauve la nation. Hosanna, sauve Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la Bible. Et nous périssons par notre manque de connaissance. Car plusieurs dans leur ignorance se sont amis du destructeur. Par toutes sortes de déclarations négatives et de malédictions qui font venir le malheur sur la nation. Il est temps que nous changions de paradigme en changeant de confession. Au nom de Proverbe 11:11, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Que la voix des justes s'élève et plaide pour la nation devant Dieu qui promet. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, c'est en nous mettant sur nos genoux que nous construirons aussi une nation prospère debout. Si tu m'entends, mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que soit faite ta volonté. Que soit faite ta volonté. Oui, que ton règne soit établi. Que ton règne soit établi.
par la puissance de ton nom. Ce que nous avons, nous te donnons. Cameroun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et prie, prie. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah oui, c'était Jean Seba, Seigneur, sauve le Cameroun. C'était comme ça pour vous permettre, chers regardants, vous qui n'avez pas pu dire merci à Dieu ce matin, d'être sur vos deux pieds. Profitez comme ça et faites-le de temps en temps. Alors, il est déjà là, il est bien installé, notre invité de ce matin, Monsieur Dieudonné Tata, qui nous vient des établissements M10 Production. Lui, c'est le PDG de cette structure, avec qui je me tourne pour dire bienvenue, Monsieur Tata. Bienvenue. Thank you very much. You are welcome in the our TV program. Thank you very much. I'm so happy. Okay. And I'm so delighted to be here. Okay, okay. Alors, le Cameroun est bilingue. Bon, de temps en temps, on va faire comme ça. Alors, who is Dieudonné Tata? Dieudonné Tata is a very nice and a hardworking young man with great ambitions and great visions to accomplish that which God has put in him. Mm-hmm. Alors, why do you choose this domain of producer? I choose this domain of production because when I get to look in Cameroon, first I was so talented, I loved music. Mm-hmm. That when I was doing music and then I was kind of like every day I want to sing, I want to worship God, and I really want to bring that which is in me in music. But the first day I went to the to the studio to ask about how much can it cost me to do a video and an audio, a complete album. So they told me that it's going to be something about 700,000. I was like, man, ça c'est beaucoup d'argent. 700,000 ce n'est pas une petite somme d'argent que. So I was like, okay, here if it can cost this amount, then okay. I think that I saw older, so many young Cameroonians who are really willing, that they are wanting to. They want to grow in their talents, but they don't have sponsors, they don't have producers, they don't have people who can help them produce them. So I told myself that I'm going to learn it. And learning it, I'm not just going to learn it, I'm going to learn it to become a professional, an excellent professional, and an excellent producer, and excellent in everything that has to do with it. And then I'm also going to help produce other young Cameroonians who want to grow in the same field and who wants to bring out their talent and become the best. Alors, c'est vrai, nous avons des jeunes talentueux aujourd'hui dans mon pays, mais il y a certains jeunes qui préfèrent encore rester derrière le rideau, c'est-à-dire intervenir juste dans les clips en tant que danseur, de toute façon, apparaître à l'arrière de la scène. Mais vous, vous avez choisi de devenir talentueux, de devenir un grand homme au travers de la production. Alors, qu'est-ce qui vous captive dans ce domaine? Donc, qu'est-ce qui me captive dans ce domaine? I would say first, I love it. It's something that if you take everything away from me, you leave me, I will stay with it. I cannot count how many times I used to trek that I would go to production fees. At times there will be programs at Palais de Sport. I would trek from my house. I used to live at Mendong.
I would trek from Mendong to Palo de Sport just to go and hook cables of the camera because I had passion for it. I love what I'm doing. It's beautiful. It's beautiful when you see somebody at the end of the day, the person is kind of like, oh my God, I don't know what to do, but you come and then you bring joy in the heart of that person. You make the person feel good. You make the person feel okay. You make the person so wonderful. The person is like, wow, I don't know that my occasion or my this or my that is going to be like this, but thank God, thank you that you helped me, that my occasion is the way it is because of the way you came and then you helped the person to produce. Because I've had several occasions that people are like that give up. They gave up on their occasion. They're like they don't know what to do. They don't even have anybody that can help them. But at the 9 minute that I meet them and I'm like, okay, let me just do this. For me, I'm just doing like, it's just something very small, but they see it very big. It's very big and they're so happy about it. And that's what makes me feel so happy. Because when I see people happy, I'm happy. Alors, je suis sûre qu'à la maison, là, beaucoup de téléspectateurs ont une question qui les brûle les lèvres. Et je vais faire un peu cette télépathologie de la télépathie en vous posant cette question. Vous êtes carrément un très jeune producteur, ça c'est, il faut le dire. Parmi les producteurs de notre époque, vous êtes vraiment un très jeune producteur. Alors, merci. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que producteur ici dans notre pays? Ici, dans notre pays, il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre. Premièrement, les matériels ne sont pas dispo. D'abord. Et surtout, quand tu veux payer certains matériels, il faut que tu payes ça en ligne. Tu cherches quelqu'un qui va voyager de l'autre pays. Et soit tu payes pour qu'il vienne arrière. And at times, you need to pay the shipping fee. When it gets there, you need to pay custom duties and all of that. At times, it's really expensive. You might buy something for 500,000 or maybe let's say for 200,000, but when you come to custom duties, spend about 100,000 to pay custom duties. Those are some of the challenges. Then secondly, at times, a lot of Cameroonians are not yet to understand, they are still yet to understand what is all about production and what is all about photography, cinematography, and what has to do with production. Mm-hmm. Because a lot of them are still coming into it. If you look even at the artists, the way they used to do things a few years ago is getting better today, and we are getting better to get to where we are going tomorrow. So it's just for us to work in our domain. And the difficulties we face most is just equipment. That's it. I can say equipment is the principal tool. Because if you want to buy, we don't have equipment available here. Even when some people that have the equipment that you need, that you want to use, you see, they kind of like, they tax you high, the charges they give you. Just for you to hire some few equipment to use, they charge you very high because they know there are just a few persons that have it. Yes. But if it was in a case whereby you can buy your own, I can buy my own, and everybody can buy, then it's not going to be that expensive. So some of the challenges we face is to get the equipment to reach us here in Cameroon. Yeah. Vous avez mentionné la cinématographie, la musique, la production. Alors, est-ce que M. Tata chante aussi? Yeah, of course I sing. Vous avez jamais cet œuvre sur le marché? No, I have not put any in the market, but I have them written. I have a lot of songs written. J'en ai est-ce déjà beaucoup. Est-ce qu'on peut en avoir une dégustation ce matin? Ok. I will sing a song that I love so much. Of and I love worshiping God. And okay. This song, I wrote this song was when I was somehow depressed. I didn't know what to do. I was just like, God, how am I going to succeed in this career? How am I going to cope? Mm-hmm. How am I going to get to where you're taking me from? Because it is heavy. I have the burden in my heart. I need to help a lot of Cameroonians, but I don't have the means. I need you to help me. A young man who want to help a lot of Cameroonians. That's special. Mm-hmm. So, here's the song. Yahweh, there is no one like you. Yahweh, there is no me without you, Yahweh, wow.
There is no one like you. Yahweh, there is no me without you. I need a strength to help everyone around me. I have this burden inside, but there's no one to stand by me. I need you, Yahweh. I need you, Yahweh. I need you, Yahweh. I need you, Yahweh. Yahweh. So many people out there, they don't know where to go to. But I need your strength every day, every hour, every minute, every second, and today, Lord. Wow. To come to the rescue. Yahweh. Vraiment par cette musique. Belle musique, hein? Thank même you. Comme c'est pas encore. En tout cas, lorsque vous allez prendre la peine de mettre ça sur CD, pensez à moi pour me donner une copie. Of course, I have to give you a copy because the songs are so many, there are so many of them. And I love worshiping because worshiping God is one of my best. Mm-hmm. It's what makes me, whenever, even when I'm on set that I want to start working, I always have this worship songs in my spirit. Each time I worship God, I am so creative. Mm-hmm. I have new ideas, new inspirations that come to my spirit. So I want to bless God for what he's doing in my life. Amen. Alors, Monsieur Tata, comment parvenez-vous à pallier tout ceci? Vous êtes en même temps producteur, vous êtes en même temps musicien, vous êtes en même temps comédien, vous êtes en même temps... Bref, dans l'art du septième art, vous retrouvez vraiment. Comment parvenez-vous à joindre tout ceci? Well, I would say it was not easy to discover myself. It took me 10 years to discover myself. When I say 10 years, some people are like, how old are you now? Mm-hmm. But my little age in which I am, it took me 10 years. My first time that I sang, I remember that was in Bamenda. I was on the altar and there was a very big crusade, a very big program. I was singing and then I went off key. The pastor came and told me that, give me that mic. Who told you that's how they sing? They don't sing and go off key here. Get out of this place. I was so ashamed. I felt like crying. People were looking at me. People were mocking at me. But it was a challenge. Mm-hmm. I told myself that I am going to make it. I will sing and I will be the best singer in my family. Mm-hmm. And I'll be the best singer in my generation. And I'll be that kind of singer that whenever I lift my voice to sing, people will be like, wow. Mm-hmm. And I want to bless God today. It's happening. Mm-hmm. Then about the other talents, it's like it's a gift. Mm-hmm. I don't know, when I just discovered that I can make people laugh, I just keep developing it. I get into the atmosphere of making people laugh. Mm-hmm. When I discover that I can produce, I can do, I just get into the field. I do a lot of research when it comes to that. Mm-hmm. Every day I keep learning. Mm-hmm. I can't remember, when I used to read, I have about 5 books concerning music. I have, if you take my phone, you check my phone, I have about 600 and something books. There are books talking about leadership. Mm-hmm. There are books talking about comedy. Wow. There are books talking about production. There are books talking about graphic designing. So I make sure that I keep learning. Mm-hmm. I read, I do research. What I don't understand, I go on YouTube, I go on Google, I research. Google and internet is not for just for us to be plain, mm-hmm. or just to go and like distract, pictures, mm-hmm. distract or watch. No, Google can transform your life. Yes. Google can transform your life. Just between 2015 and today, I am who I am because I had to do a lot of research on Google. I downloaded books, I downloaded tutorials that helped me build myself to be where I am today. So everything I am today is by the special grace of God, and then I had to do self-building. Okay. Okay, it's true that many people can learn by the way of download. Do you went to a school to be learning some certain things at the base of what you are doing in? Yeah, I remember I went to Dream Academy at Dream Foundation. It was located at Biamasilac, yes. But the school is no longer there now. I want to bless God for Pa Richard Fogwe. Mm-hmm. He's a seed.
he actually sowed a seed in my life. Wow. I remember when I came, they were just opening the school Dream Academy. I went to him and I told him, sir, I don't have money. I can't even get through the studies. But by Richard Fogway, he told me that I should go and see, by then, Mr. Roland Kemason was the manager of Dream Foundation. He said I should go and see Mr. Roland Kemason. I went there, and then after we did the procedures, they gave me a scholarship that of a certain reduction that after I did it, then today I had the basic knowledge of what I needed. Mm-hmm. And then now I began doing self-research. I began doing a lot of discoveries. I began going into researching, and then I'm kind of like, okay, finally, somehow, by the grace of God, if you watch, you will see some of the things that are passing. Then I have a YouTube channel and a Facebook page. Mm-hmm. If people want to see more, you can go to my Facebook page, D-Films Production. You will see a lot of my works there, and then that's when you understand that we are not just talking. Mm-hmm. There are proofs that can show that I'm doing something. Yes. Yeah. Alors, la régie m'a dévancé. Je vais comme ça demander qu'on envoie les photos pour vraiment apporter un peu d'eau dans le moulin de M. Tata Dieudonné. Voilà. Est-ce que M. Tata peut nous dire ça? C'est une cérémonie, c'est un mariage? C'est this quoi? Is a wedding. This yeah. is a wedding. Okay. It was in court. We did this wedding in court at the Corbison. Yeah. So, the day I was doing this, wedding, I was just kind of like, mm-hmm. they just called me 2 days before and they were like, okay, come and join us. Let's see how we can do. And each time I'm doing photography and I'm like, I need to pass a story. There's a story to tell. Yeah. So each time you're doing something, ask yourself three questions. What am I doing? Mm-hmm. Why am I doing this? And why do I have to, where am I going with it? Yeah. Yes. So when you keep asking yourself these kind of questions, you discover that There are a lot of things that you see that you capture the real moments, you make people feel good, people mm-hmm. feel happy, mm-hmm. people are like, they want to keep joining you, people want to keep coming to your works, to do your works, mm-hmm. they want to do more works with you because you make the moments look real, you captivate the moments and always keep them. Okay. Alors, Monsieur Tata, la visibilité, l'attraction, l'image là, comment parvenez-vous? Parce que ça, c'est des images qu'on avait autrefois dans les magazines, très propres, très claires. Comment parvenez-vous à obtenir ce type de travail? Well, one thing I would say is, if you have to work, and if you have to capture this kind of moments, first, you must be somebody who thinks out of the box. Mm-hmm. Tu dois faire ce que les autres n'ont pas encore fait. Mm-hmm. Tu te poses la question. Qu'est-ce qui me fait que je suis différent de les autres photographes? Mm-hmm. Qu'est-ce qui peut me rendre professionnel et différent des autres? Oui. Donc, quand tu te poses ce genre de questions, c'est à toi de commencer à chercher. En chercher, tu vas voir que tu vas faire les recherches, et des recherches, mm-hmm. et des recherches, et des recherches. Mm-hmm. Et qui va faire qu'à un moment, un jour, vous allez vous tomber sur ce que vous voulez. Oui. Voilà, un jour vous allez tomber sur ce que vous voulez. Ce sont les propos de M. Tata, ce n'est pas moi qui ai dit. Voilà, malgré le fait que jusqu'ici, le matériel, comme vous avez tantôt dit à l'entame, est difficile à s'en procurer. Alors, quel est votre secret? À cette circonstance, à ce moment, mon secret pour l'instant, je peux dire, c'est que je me mets beaucoup au travail, mm-hmm. j'ai fait beaucoup de recherches et chaque jour, je suis toujours là. Je prie Dieu que Dieu me donne les inspirations. Et en fait, tout vient de Dieu. Mm-hmm. Parce que de moi, je ne peux rien faire. Et le reste, je suis toujours là. Chaque jour, j'ai fait mes recherches. Je suis toujours là. Et à chaque temps, je me dis que ce que je fais aujourd'hui ne doit pas être meilleur de ce que je fais demain. Mm-hmm. Donc à chaque jour, quand j'ai déjà un contrat, je réfléchis comment je peux faire. Il faut que je fasse quelque chose qui est mieux de ce que j'ai fait dernièrement. Mm-hmm. Oui, bon. Et alors, la technologie ou alors le Canva que vous utilisez, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est de la 3D? Je ne me connais pas, excusez-moi, je suis profane de la photographie. C'est de quoi en fait? Il s'agit de quoi? De quel type de technologie que vous utilisez? C'est quel type de technologie que vous utilisez pour pouvoir avoir l'image aussi propre? Parce qu'on peut même constater qu'il y a des femmes qui certainement ont des tâches, mais vous parvenez à effacer totalement ces tâches-là.
Vous faites un maquillage à l'arrière-plan, en fait. Non, there are makeups that they do in the backstage. Okay. But now, when it comes to professionalism, we have software, we have things that we are working with. That when you snap the pictures to make it look real, to make it look good, you just need to come and then you work on it, just touch it just a little bit. You don't make it look artificial, make it look real. Yeah. But if you don't have the right equipment to use, it can't look real. So even the fact that some people already get the equipment, already have the equipment because they have the means to get the equipment, we go extra miles to get the equipment from them so that we make our customers be well satisfied. We give our customers the satisfaction they need. Okay, nous avons voilà, ça crépite déjà sur mon téléphone. Nous avons bon, le message n'est pas signé, mais quelqu'un ou quelqu'un qui demande où est situé Monsieur Dieudonné. Nous sommes situés à maintenant au Cancique pour l'instant. Et oui. Précisément, il n'y a pas une. À l'entrée de Tamé Computer, juste en bas, l'immeuble en carreau blanc. D'accord. Bon, moi, c'est ma question que je pose à moi. Est-ce que M. Tata est marié? Je suis encore célibataire, mais je suis déjà prise. Aïe, 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 aïe. Oh, les filles, désolée. Hein. Je posais comme ça la question pour pouvoir aider l'une à la maison si vraiment elle pouvait. Vous voyez un peu. Vous voyez je un suis peu. Déjà prise. Malheureusement. Je me suis plus libre. Voilà, il est déjà pris. Alors, M. Tata. Jusqu'ici, vous avez parlé de certaines difficultés que vous avez rencontrées dans notre pays. Alors, au niveau de la production proprement dite, vous ne rencontrez aucune difficulté autre? Non, il y en a beaucoup qu'on rencontre. Parfois, nous les Camerounais, nous sommes au niveau que... on ne sait pas encore comment faire ce qu'on appelle networking. Oui. Networking, marketing, veut dire... Tu as une idée, moi j'ai une idée et on vient ensemble et on réfléchit de quoi faire et on se trouve que tu m'encourages, je t'encourage. Voilà, je connais tes faiblesses, tu connais mes faiblesses, on voit comment on peut améliorer de ces faiblesses-là, on devient les plus grandes personnes demain. Et chacun veut être son boss. C'est une des difficultés que nous, les photographes et nous, les réalisateurs au Cameroun, nous sommes en train de sentir pour l'instant. C'est certain qu'ils ont compris la vision qu'ils sont en train de... Même moi-même, j'ai quelques amis qu'on est en train de vouloir commencer ensemble, pour bosser ensemble, pour savoir qu'on peut améliorer de là où nous sommes. Parce que la photographie, réalisation, c'est une métier que chaque jour, tu ne connais pas. Et chaque jour que tu es sur le terrain et tu découvres que tu as une nouvelle difficulté que tu rencontres chaque jour. Donc c'est ce qui fait maintenant que, en tant que comme ça, on doit nous réunir. We have to unite ourselves. They say, there is a saying that says that one hand cannot do something, but when hand, many hands do light work. Yes. If we come together and then we be ourselves, somebody will tell me now that, then why are you not in the Cameroon movie industry? Yeah, it's true, I'll join the Cameroon movie industry when the time comes, but for now, I'm coming. I need to build myself. What I'm doing now, I'm still in the background building myself. Ok, nous avons aussi, j'ai aussi appris que vous avez une structure des hôtesses. Yeah. Voilà. Comment est-ce que vous l'avez déjà baptisé, la suite des hôtesses? Well, it's coming right now. It's on. We are preparing to launch it full time. And one of the things that made me also, like I told you from the beginning, I want to see that a lot of youths bring out their talents to be so happy with what they are doing. There are so many youths that are singers, some are dancers, some are models, some are. Some really want to bring out what they have in them, but they don't have the means to showcase that. They don't have where to go to. And one of the things that is really disturbing in Cameroon is that a lot of modeling places, a lot of modeling fees, if you go, you see the girl will go, the girl is beautiful, the girl wants to go higher, you need to sleep with the photographer, you need to sleep with the director, you need to sleep with that. But I pray God that in our own case, it's not going to happen. Amen. I'm already taken, besides. It's not going to happen. So what we want to do is we want to build young Cameroonians who can make them believe and see that there is something in them, that if there is nobody that can believe in them, but we can believe in them and we can make them move to another height. Yeah. Alors ce matin, à l'endroit de ceux qui vous regardent, s'il fallait encourager un jeune Camerounais, une jeune Camerounaise
avoir la même motivation que vous. Ceux-là, justement, qui veulent exceller dans le domaine de la production, de la cinématographie et tout ce qui va avec. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui sur le thème? Bon, ce que je veux leur dire, c'est que dans la vie, il y a un prix à payer pour tout ce que tu fais. Tous les hommes riches que vous voyez dehors, ils ont payé un prix. Donc, pour être un homme ou pour être quelqu'un qui est vraiment responsable ou apprécié, that is appreciated in this world, you need to pay the price. So, and then another thing I would tell them is that never let someone talk you out of your dreams. Ne laisse jamais quelqu'un te parler hors de tes rêves. Ne laisse jamais que quelqu'un te décourage pour dire que non, ici, là, non. J'avais rêvé d'être un réalisateur ou j'avais rêvé d'être un chanteur. But at the end of the day, you discover that somebody just came and told you, what makes you think that you can sing? You can't. Because if I could make it, nobody ever taught me. I had to go. I had to do it on my own. I did my errors. I did a lot of mistakes. I'm not saying that I'm perfect now. But with those errors and those mistakes, they kept pushing me to go to where I'm going to. I cannot count number of people that discouraged me and told me that you cannot succeed in this field, you cannot succeed in this domain. I remember there was one of my elder sisters I was living with that she helped me. And she told me that by then I was going to school, I dropped school to go for production, to do directing and photography. She told me that, okay, if that's what you want to do in your life, you need to leave my house. You cannot stay with me because I wanted to go to school, I wanted to get degrees, I wanted to get master's degrees, and then before you continue into cinematography. But for me, I saw that was a wastage of time. And besides, my parents wanted me to do motor mechanics. I did motor mechanics for 3 years and I gave them the certificate. I told them that this is what people want, take the certificate. But me, I'm going for what I love. So don't let your parents, don't let anybody discourage you in what you want to do in your life. It might not be production, it might not be music, but you have something in you. Ne laisse pas ce que Dieu a mis en toi et détruit par une autre personne. Soit-même, ni par tes parents. Ouais, comme disait quelqu'un, le chemin de tout le monde n'est pas forcément l'école. Et puis, tout chemin mène en romain. Donc, comme vous avez dit, je vais juste répéter ce que vous avez dit. Ne laissez jamais vraiment quelqu'un éteindre votre rêve. Ce pourquoi vous avez été créé, Discover your purpose. Il faut l'extérioriser. Laissez jamais quelqu'un vous dire autre chose que ce que vous êtes. Vous n'êtes que ce que vous avez pensé. Voilà. Non, c'était juste pour ajouter un petit truc à vous. Voilà, monsieur Tata. Avez-vous déjà une production cinématographique sur le marché? Yeah, right now, by the special grace of God, we have one movie that it will be soon in the market. Qui est baptisé? The title of the movie is Not Again. And during this movie, that was my first movie. I had a lot of challenges. I encountered a lot of difficulties. But I want to bless God that through this movie, I learned a lot of things too. Again, like I told you, every job you take is a challenge that has to make you see if you are up to the task or you're not. Yes, so I think it's great. But very soon, the movie is going to be out. We are doing the final touches on the movie. And the movie be out. And then we have a lot of documentaries. I have a lot of companies I'm working with now that I do their documentaries. And I travel in and out of town just to documentaries, videos, weddings. Yeah. Ok. Alors, c'est vrai que je devais commencer par là le matin, mais il n'est pas toujours tard. J'ai oublié de vous dire que vous étiez très bien mis et vous étiez très bien coiffé. Thank you very much. Thank God to end this fashion. Alors, on peut savoir qui vous a coiffé. Okay. It's a beautiful lady, wonderful lady. If you get to her place, you see it is so wonderful. She's so dynamic. She's so talented. She's a bunch of talent, just like I am. And I pray you get to MD's fashion, you will discover more about her. Non, mais il faut simplement lui dire que c'est moi, simplement. Mais cachez le morceau, j'ai tellement eu envie que vous le dites. Ok, yeah, she is with me. Elle est ici avec moi, c'est elle qui m'a rasé, donc... Ils seront surpris à la maison, mais c'est bien vrai.
Il a été coiffé, il a eu l'honneur d'être coiffé par la belle dame que je suis. Et c'était ma première fois qu'une dame a coiffé, c'était ma première fois. Donc pour moi, c'était un peu... Oui. Je me suis dit que, ah, donc ça veut dire qu'il y a encore les dames. Donc tu vois, c'est déjà des choses qui me font parler. J'aime voir les jeunes Camerounais et les Camerounais qui sont talentueux. Mm-hmm. Tu ne fais pas juste l'esthétique, tu mm-hmm. ne fais pas juste la coiffure des femmes, mm-hmm. mais tu fais aussi les coiffures des hommes, oui. tu fais arranger les hommes, mm-hmm. qui veut dire que ce ne sont pas seulement les réalisateurs comme nous, mais les manicuriens, dans toute sphère de vie, dans tout domaine, oui. les gens peuvent venir pour faire l'esthétique, mm-hmm. c'est ça qu'on appelle. Oui, oui. That they will come and then they fix themselves, they look good and then you look healthy. Mm-hmm. Your health is what gives you money. So if your health is what is going to give you money, mm-hmm. so you need to take good care of that health. Mm-hmm. Yeah. Donc tout ceci, chers téléspectateurs, toujours pour vous arracher le petit sourire, vous comprenez ici que l'esthétique n'est pas que corporelle, n'est pas que capillaire. L'esthétique aussi comme ça, a trait comme ça à tout ce que vous faites au quotidien, que ce soit dans la cuisine, dans la mécanique, bref, peu importe le domaine, vous êtes toujours appelé à faire de l'esthétique. Déjà, tout ce que vous apportez, tout ce que vous essayez de faire et d'apporter du beau, de l'attraction, vous êtes comme ça en train de mettre de l'esthétique en œuvre. Alors, monsieur Tata, yeah. Nous avons été très ravis, particulièrement moi, et la maison ensemble réunie à ma voix, nous avons été très ravis de vous recevoir ce matin sur ce plateau. Merci nous espérons beaucoup. Que l'un de ces cadres, pourquoi pas demain par exemple, que nous aurons encore avoir le plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, c'est vrai, le monde de la cinématographie, c'est vrai quand même aussi que ça prend déjà de l'ampleur dans notre pays. Hein. Ouais, 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 voilà. Ouais, ouais. Et à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des écoles déjà de cinématographie au Cameroun? Il y a les écoles de cinématographie, mais pas vraiment beaucoup, oui. comme je peux dire. Il y a les autres qui ne sont pas encore, they are not yet registered, and then some are registered, but they are not yet well known. But what I would say I know so well is the one of CRTV at Econo, mm-hmm. and it's somehow expensive. And then you write concours mm-hmm. to get to enroll, mm-hmm. and then the fees is about close to 2 million something. So to see, they are not. It's not easy to see. Maybe it's a bike rider easy. That you leave your bike and then you say cool. you want to raise 2 million francs to go and enter into production. Mm-hmm. But get as it's going. You see, today people are getting what it was a few years back when I started. It's not what it is today. Mm-hmm. So I see a lot of people getting into the cinematography school, that they're opening a cinematography school. I have a lot of friends that have studios right now, and they're beginning to do training, even though they're not yet authorized. But the fact that they're already doing training mm-hmm. means that someday they will get to the Ministry of Arts and Culture, and it will be established that they can be able to issue a diploma. Okay. Alors, est-ce que Monsieur Dieudonné Tata forme chez lui? Yeah, but for now, we've not yet started our training sections. But we will soon start as soon as possible. Okay. Mm-hmm. Voilà un mot comme ça de fin à l'endroit de ceux-là qui ont pris la peine de confortablement s'asseoir dans leur fauteuil et de souffrir de vous accorder leur temps de vous écouter. Un mot comme ça à leur endroit. Mais bien avant, excusez-moi, nous avons parlé... nous avons plusieurs fois parlé d'un phénomène qui se vit ici chez nous. Bref, c'est vrai qu'il n'a rien à voir avec votre domaine, mais vous nous donnez quand même votre point de vue sur ça, en ce qui concerne la dépigmentation, en quelque sorte. Quel est le fait de se décaper? Des femmes qui to bleach your body. Mm, ok. Voilà. Well, you see, this is a very complex world. We are living in a very complex world right now. Mm-hmm. And for women, pour les femmes qui se décapent, qu'est-ce que je peux lui dire? Je ne vois pas pourquoi tu dois changer ce que Dieu vous a donné. Non, elle les voit, vous ne voyez pas, mais elle les voit, pourquoi elle doit changer, c'est pourquoi elle persiste. Je veux dire que ne pas, pas don't run after material things. Mm-hmm. For example, if you're black, if you're a dark person, there are things you can do that make your dark beauty. Mm-hmm. Look so appreciable that everybody wants to enjoy your dark like your beauty. Own dark. Of course, of course. I'm just beginning to take care of myself. I believe in the past few years I didn't have real money, but money's coming now. Money is beginning to run after me that I have to take good care of myself. Yes. So, Chuva, you take good care of yourself. Mm-hmm. Money is not all about eating. Money is not all about taking care of your family. Mm-hmm. You need to also take good care of yourself. What you eat, what you drink, and
what you wear, what you put on your body, what you use to apply on your body. Mm-hmm. So I don't see reasons why people should go in and then you're bleaching your body or, disons en français, décapé. Oui. Je ne vois pas une raison pour que les hommes doivent se décaper. Pour moi, ça ne donne pas pour moi. Pourquoi? Parce que avant que Dieu vous crée, il savait pourquoi il vous a créé avec cette ton de couleur qu'il mm-hmm. vous a donné. Mm-hmm. Donc je ne vois pas pourquoi tu viens maintenant et tu viens te décaper parce que peut-être tu veux être une autre personne. Même Michael Jackson qui a mm-hmm. fait ça mm-hmm. aujourd'hui là où il a changé les nez, il a changé tout, mais aujourd'hui mm-hmm. il est toujours un homme noir. He's still a black. Mm-hmm. No matter what he did to his body, does not change the fact that he's still a black. Mm-hmm. And then when I see ladies go in for all these things, extra buttons, extra breasts. All of them is just for fame. A lot of them want to do it for fame. And you know, it's because in the social world, social media, this world of showbiz, mm-hmm. it's a crazy world. It's a world that if you're inside, if you, God is not with you, you can do crazy things. Yeah. Mm-hmm. So I believe if you're in a showbiz world, you just have to know where you are, you know your limits, and know that you're created by God. Mm-hmm. You're a divine creation. Okay. Bon, là, vous allez peut-être répondre la prochaine fois. Et un testateur, et qui a posé la question de savoir est-ce qu'on peut avoir vos contacts? Yeah, of si course. On veut vous joindre. Of course. Okay, vous donnez le contact. Okay, for you to get to me, you can have my number is 670-790-131 or 690-40-4296. Can I give it in French? Vas-y. 690-79-01-31 oui. Ou 690-40-42-96. D'accord. Au 690-40-42-96 et au 670-79-01-31 sont comme ça les contacts sur lesquels vous pouvez joindre M. Tata à toute heure, n'est-ce pas? Oui. À toute heure. Oui, oui. Même oui, qu'on oui. vous ait pris à toute heure. Ah oui, oui, mais pas à partir de 22 minutes. 22 minutes, non, je d'accord, suis pas dispo. D'accord. Alors, juste un mot comme ça pour nos téléspectateurs qui vous ont regardé ce matin. Un mot de fin, votre mot de fin, en fait. OK. This is what I'm going to tell them. En quelques secondes, parce que le temps nous tient à la gorge. OK. Don't let anybody take you out of your vision, out of your purpose, out of your dream. You can be where you want to be, mm-hmm. if only you make up your mind to be there. Mm-hmm. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir regardés. La rediffusion sera tout à l'heure à 23h10. Alors, sur, on va juste se dire, rêver, continuer à rêver, parce qu'un homme qui rêve, c'est un homme qui vit. Ne laissez jamais quelqu'un vous abasourdir ou alors vous montrer autre chose que ce que vous êtes, parce qu'en vous, Dieu a mis quelque chose. Et ce quelque chose, c'est apporter de l'esthétique. Tout ce que vous apportez de l'attraction, vous avez comme ça fait de l'esthétique. Alors, si on va se dire au revoir et nous disons comme ça merci à M. Tata qui a accepté notre invitation ce matin. Thank you very much. Alors, merci, M. Tata. Thank you.